Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manina, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Sorti à gouvernement et Zelami Bongo na suka ya poso oyo sima ya bokoti na mosala na bureau définitif ya Assemblée nationale wa publicika kutu équipe Vital Kamerhe et bakoti na mosala mokolo ya lelo mingi penza tozali kozela bongo likambo etali mosala to institution yonso et vanda penza lolenge et longo bani situation sécuritaire na parti est ba mon sala oyo FRDC azali ko sala wa bisika ba récupérer bongo ba localité ya ndenge na ndenge pe kimia oyo ezali ko zonga kuna sango ya kitoko to te to ko beta masolo wana penza mokola yo na cadre ya face à l'opinion bandeko mbote pe boyebola mo lelo to yambeli bino penza ndeko Eloy Kupa azali secrétaire général ya parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo AADC en cycle naye to rosola masolo matali situation ya mboka Congo mwana mboka mbote pe voilà mbote mama journaliste pour l'invitation qui to pe malamu oyo salelinga merci ezambala liboso to yambio sangoni to zali malamu na sepeli makasi na cadre d'ali vraiment qui to ko mingi. En tout cas, l'initiative est allée à louer. En tout cas, je tiens sincèrement à dire merci à l'initiateur qui a créé l'espace Oyo pour que tout le monde soit allé à l'école. Ils allaient à mon thème pour que nous soyons à l'école. Tout le monde, le parti politique Nabino est allé à la partie sœur et à Madame Adèle Kabena. Tout le monde a dit que nous sommes à la police de la Balabala, que nous sommes à la police de la police de la Cour constitutionnelle. Nous sommes à la police de la police de la bonne partie de la police. Ils sont allés à la police de la police de se préparer pour la élection. Nous étions convaincus que nous sommes à la police de la police. Malheureusement que oyebi na politique ya mboka na biso politique d'Afrique ils en avaient méandre belé jusqu'aujourd'hui nous continuons à regretter comportement ya bayi politique mususu parce que ngai na ko benga ngo lokola nko basala biso parce que tout ça la ki musala vraiment ya makasi bayi basala binonko bayi politique donc je parle d'une façon générale bayi politique ne va préparer qui élection bayi politique. Moi je suis surpris d'apprendre que tu as signé bah bayi politique était non bah tout ça la politique parce que politique bah doit définir en haut le langage à quoi gérer donc mutunyo sali ko gérer entité azali moi politique pour nanga et azali bongo malheureusement que puisque tout kenda qui n'a qu'au constitutionnel était parce que autorité morale n'a vu ça azali ya mokonzi ya mboka pour naie à mon aki que azali penza malamute akende na cour constitutionnel ya amonaki ke toti kaka bongo nde tozonga kisima mais sinon tozalaki na batu na biso oyo basalaki musala oyo babimisaki ba voix ebele nous avons eu même des gens qui ont fait plus de 20 000 voix balekate mais na kati ya circonscription wana ba mususu basali 2 000 voix baleki donc biso to monaki est-ce que za ki problème ya seite est-ce que beaucoup ki sa ki sa ndenge esenga makina seigne ceux qui tout cela qui tokokisa qui sait était ton tous même pas député moko ceux qui tous député moko ça veut dire que tout ça qui na sait na biso parce que tout ça qui na 100 et 100
192 000 voix, je crois. Alors, où ils allaient ébélé, tout ça qui au-delà est assez. Donc, mais, où ils ont tout le monde qui n'a assez, n'a coucou, ils allaient en justice. Parce que, ils ont tout le politique, ils ont tout le monde qui a été coucou, attaque au Macambouza, le Canamou. Tu comptes bien parmi les frustrés? Tout ça frustré, oui. Tu comptes le bâtir qui est tout en essence. Parce qu'il fallait que tout ça la plus de députés. Mais le coup là, tout à l'heure, Libota, tout à l'heure, Koloba, tout à l'heure, Solola, la Katia, famille, Nabiso, politique, tout à l'heure, Union sacrée pour la nation. Mais tout à l'heure, il y a regret, il y a comment on a que le candidat Nabiso, dans l'ingé, tout se préparer qui va l'équiter. Donc tout à l'heure, na regret wana madame mominge penza na janga moko te sur ce plateau le goko la bomesa notre za ndeko dan zeng pona ngambo ya lopoto mwana mboka mbote. Si, bonjour, bienvenue monsieur Eloy Koupa sur ce plateau. Merci, merci monsieur le journaliste, merci pour cette invitation qui va me permettre de pouvoir dire ce qui est à cœur afin que nous puissions aider notre République, parce que si nous ne parlons pas de notre République, personne ne parle à notre place. Il faut qu'on les fasse pour que nous puissions arranger s'il y a le mal, qu'on puisse corriger le mal. Merci pour cette invitation. Vous avez semblé dire tantôt que vous n'avez pas saisi la Cour constitutionnelle parce que votre l'autorité morale de votre parti, madame Adèle Kabena, est de la famille biologique du chef de l'État. C'est quoi le lien entre saisir la Cour constitutionnelle et la famille? C'est un point de vue, et c'est elle notre autorité morale. Elle a souhaité que nous ne puissions pas aller saisir la Cour constitutionnelle, alors nous ne pouvons pas contredire notre autorité. On a trouvé que bon, on ne peut pas trop, on ne corrige pas le chef. Le chef a dit, pour moi, je trouve qu'on laisse avec un seul député, qu'on aille seulement comme ça. Je pense que on doit s'incliner, donc. On suit l'ordre de notre autorité, voilà. C'est ça. Mais si on devra corriger le processus électoral, déjà ce qu'on a vécu en 2023, si on devra apporter des corrections, vous en tant qu'acteur politique, vous suggérez que ça soit quoi pour qu'aux prochaines élections, qu'on ait des élections qui soient quand même plus ou moins consensuelles? Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut revoir. D'abord la constitution de notre pays nous pose problème. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'intellectuels hein, dans notre pays. Il y a beaucoup de, pas d'intellectuels, il y a beaucoup de diplômés, de licenciés, de docteurs, ainsi de suite, mais qui ne rendent pas un bon service à la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il faudrait faire recours à la sagesse. Mais si vous allez aux États-Unis, il y a lorsqu'on veut juger quelqu'un, on trouve qu'il y a trop de complications dans les dossiers de celui qui est convoqué, qui doit être sanctionné. On fait appel aux sages qu'on appelle jurés. Ils viennent pour écouter, bien suivre ce qui se passe, bien les déroulements du procès. Et à la fin, on doit trancher, on demande aux jurés de prendre la décision. Je crois que la voie de la sagesse est une bonne voie. Vous savez, l'intelligence crée des problèmes et cherche comment résoudre ce problème. Mais la sagesse évite les problèmes. Je crois que si nous adoptons la voie de la sagesse, ça va aider notre République. Parce qu'avec les diplômes, ça ne résout pas les problèmes dans notre pays. Vous avez parlé du changement de la Constitution. Changement de la Constitution. Parce que d'abord, la Constitution, c'est l'œuvre des belligérants. Ce n'est pas l'œuvre des Congolais. Cela s'est passé à San City. San City n'est pas au Congo, c'est en Afrique du Sud, donc par le bourreau, les seigneurs de guerre. Donc après avoir conquis ou bien conquéri quelques portions de la terre de la République démocratique du Congo, ils ont trouvé que le pays était divisé, il faut qu'on se mette ensemble. Alors lorsqu'ils sont venus pour parler de la constitution ou bien des lois qui devaient régir notre pays, chacun tirer sa ficelle de son côté, alors ce n'était pas à l'avantage du Congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous souffrons. Le président de la République est sorti. On attend d'abord le formateur, premier ministre, il faut qu'il présente son gouvernement à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, il y a des problèmes. Tout ceci, c'est l'œuvre de la Constitution. Je pense que le problème est au retard et à ma casse aux huit, presque 6 mois sans gouvernement, et ça la Constitution des Kangaï.
Condition basale ko bengango mo bekoli konzi ya mboka na biso yango le dali mama ya makambo nyonso soki constitution et pesi biso nzela claire nous ne pouvons pas arriver jusque là mais soki tozali lelo bisika tozali constitution et dali pour sika wa maman tuluka ba noma e de mo yango tozoke ne sika ni constitution ka ngi gouvernement bim mais akobimisa gouvernement dernier parce que gouvernement il faut la présenter na parlement. Donc, na parlement na kan ki bango ba s'installer te. Wana pe constitution ka. Non mais okoki ko sa la te programme ni yoko mema. Pour il faut programme il a la valider par l'assemblée. Na zolo bela bureau assemblée nationale ni ne sali ki tango molai ezala installer na noté. Wana pe constitution. Mais le problème ezali na zolo constitution pourquoi? Parce que constitution ezali ko pe sa ba orientation claire. Lorsqu'il y a pas ebi na ba ba sali droit ba lobaka. Place place mobe ko ezalité mbeba ezaté donc mobe ko ezaté mbeba ezaté donc il faut que mobe ko ezala yamonde ko orienter ko pesa éclaircissement sur makam le mobe ko ozolobela révision té mozolobela changement il y a constitution lelo ni penza changement constitution ko résoudre le problème na mboka na biso ce qui lelo tu dois souffrir pour notre constitution non. Ah les bon? Autres souffrir. Maniola yango madame. C'est ça. Yango na lobi kela mobe ko likunzi. Ce qui les lo makambo ezali ko tambola te. Na do pesa lokola na famille. Ce qui les lo na famille za la ekoti. Ba pesa ka faute na tata non. Ba fait ça faute na tata d'abord parce que c'est lui le maître de ou bien le numéro un de la famille. Lorsque ça ne marche pas, on fait recours au père. Lorsque bana batikali ko bundantra bango mama ko babozela tata na binoya parce que tout ce que nous faisons il faut dans la fondement il y a la constitution mais constitution na biso il y a la teinté na ba difficulté belé et singé na biso pour ala éclairer soit nous voulons continuer de continuer na le lengue wana ya ko souffrir kuza na kokoso soit to sokola yango pour que tout dans la produit o ya biso et la volonté exprimée na biso moko o le que to ça la tous les cours na ba. Vous êtes un avocat donc un professionnel du droit. On ne va pas citer les articles, je voudrais simplement avoir votre idée sur c'est les aspects qu'il faut qu'on change dans notre constitution. Qu'est-ce qu'il faudra changer à terme dans notre constitution? Vous savez source, on ne peut pas trouver de l'eau sucrée et de l'eau amère. Soit c'est amère, soit c'est sucré. On dit que la constitution pose problème dans son entièreté. Je vois, et il y a les opinions. Certains pensent que si les chefs de l'État est chef d'État aujourd'hui, c'est partant de cette constitution. C'est un argument, parce que nous sommes dans la démocratie, chacun peut mettre son point de vue. Mais nous regardons l'intérêt général, l'intérêt primaire de la population. On ne va pas les individus qu'on place. Aujourd'hui, Kamere est le président de l'Assemblée nationale. Pour lui, il se réjouit. Mais quel est l'intérêt de la population? Les lois qu'on vote, est-ce que ces lois vont dans l'intérêt général ou bien c'est pour favoriser certains politiciens? Moi, je pense que le mieux à faire, c'est de revoir. Nous devons dire ce qui ne va pas, c'est-à-dire les Congolais. On doit revenir auprès des souverains primaires pour qu'eux nous disent ce qu'il faut faire. C'est parlant qu'on doit maintenant tailler la constitution ou bien créer une constitution. Est-ce que... Je l'ai dit qu'au départ, ce n'est pas l'œuvre des Congolais. Quel que soit l'avantage qu'on peut nous présenter de la Constitution. Les Congolais ont voté cette Constitution. Ce n'est pas notre œuvre. On a voté cette Constitution. Qui a voté la Constitution? Le référendum de 2005. Nous ne étions pas... Vous étiez à Sun City. On a voté cette Constitution. À Sun City, si vous regardez tous ceux qui ont signé, ils ont dit, nous l'avons fait pour favoriser la paix. Ça veut dire que ces personnes étaient contraires. Oui, rentrons dans le fonctionnement normal d'un État. Réviser la Constitution demande, changer la Constitution demande... qu'on passe par référendum. Le référendum, c'est une forme d'élection, une autre forme d'élection. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens aujourd'hui d'aller vers un référendum pour que justement on ait cette nouvelle constitution? Soit vous acceptez un produit pourri parce que vous avez faim,
ou bien vous jetez ces produits pourris. Vous êtes directeur ou bien un chef au niveau Qu'est-ce qui est plus important, le social ou bien cet exercice-là de changement de la constitution? C'est pourquoi les priorités sont nombreuses. Il y a l'insécurité, il y a le social, oui. Il y a les routes. Tout cet argent-là, le placer dans un référendum ou les projets sociaux. Qu'est-ce qui est priorité? Non, je suis en train de répondre aussi sous une autre forme. Vous êtes un représentant bien un directeur l'OCC. Alors vous voyez que la population est affamée. Il y a les produits qui entrent. Et ces produits-là vont servir à la population. Qu'on vous dit, après avoir testé, qu'on vous dit que ce n'est pas consommable. C'est déjà pourri. Mais de l'autre côté, la population souffre. Elle a faim, elle a besoin de manger. Allez-vous accepter de donner ces produits parce qu'ils ont faim ou bien vous allez briser? Mais depuis 18 ans, dans la Constitution, Joseph Kabila, Tambouissa Kimboko, la Constitution, en quoi est-ce que ça urgent les lotos changer de Constitution alors que ma priorité, c'est Belen de Kautikoloba? Parce qu'on a tout coupé ça. Pour la nini lelo, pour la nini la deuxième mandat, est-ce que ça a moi calendrier dessus de cartes, mon côté, bino vous l'andé les sikawan? Bon, ce que le biso tout ça au l'andé, c'est comme si je suis exclu de la société congolaise. Nazali congolais comme yo, nazali libre yako kanisa, pe coupé ça, yanga makanisi. Nga nazali kumona ke mama ya likambo edali li mobeko likunzi ya mboka. Donc soyi courant ezate mobeko likunzi ma ezate nzala pasi nzele ezate insécurité batbazowela ka pouvoir gouvernement ezate nyonso wana nde constitution. Oui, wana zokuta na détail. Nga nazolobela d'une façon générale parce que détail ko kota. D'abord d'une façon générale, il faut qu'on yeba déjà que Constitution Oyo et Ali œuvre n'a bi sauté. Il faut qu'on y ait un mot. Nazo pese ndakisa. Ndakisa, yo bali moi si na yo. Bali moi si na yo. Ndeko moko aye yo zalite. La kisi moi sinon munduki yo zate. Azui ya keina isika moko boy. Abotisi moi si wana. Atiye izemi, abotisi mwana. Mwana wana consciencieusement da mwana yo. Tugende na droite, tozonga na bomoto. Tango bando kutala mwana wana. Ba ebisio ke no mwana oyo azali fruit ya viol, par exemple. Juste savoir, s'il vous plaît, Vous pensez que... Qu'est-ce que le changement de la constitution va résoudre comme problème? Exactement. On a beaucoup de problèmes dans notre pays. Beaucoup de problèmes dans notre pays. Il y en a beaucoup. Si on veut énumérer, il faut qu'on prenne vraiment du temps. Qui sont issus de la Constitution? Non. Ce que je dis, il faut le comprendre dans ce contexte que je suis en train d'expliquer. Aujourd'hui, d'abord, parce que vous m'amenez, vous voulez sauter d'abord. La primaire, c'est l'œuvre, la création de la chose. C'est la chose qui a été créée par les belligérants. C'était dans quelles conditions? C'était pour favoriser la paix. C'est-à-dire le pays était divisé. Nous trouvons que cette œuvre-là, si aujourd'hui Kagame est en train de chercher des boucs émissaires par-ci, par-là, c'est parce qu'il sait là où il peut s'accrocher. Je vis notre compatriote me parler de Joseph Kabila. Là, il y a à boire à manger parce que je ne veux pas toucher à sa personne. Il y a à boire à manger. On sait comment il est devenu président de la République. Est-ce que c'était l'œuvre de la Constitution? Comment Kabila est devenu? Nous étions dans quel régime? Après la mort de, entre guillemets, son père, comment il est devenu président de la République? C'était par quel mode qu'on avait opté pour que Kabila devienne président public? Et il est resté pendant 18 ans président public. C'était comment? Par quelle magie? On comprend que les fonds posent problème. Il ne faut pas regarder la forme. En droit, lorsque les fonds posent, en fait, on commence déjà par la forme et les fonds. Lorsque que ce soit, on peut être dans les fonds qui posent problème, on se débarrasse de la chose. Lorsque la forme aussi pose problème, on se débarrasse de la chose.
il est important de comprendre d'abord, parce qu'il a parlé de Kabila, c'est pourquoi je voulais m'atteler sur là. Kabila est devenu président de la République comment? Après la mort de son père, directement, on nous a imposé Kabila. On a Kabila. Et comment Moussé Laurent Désiré Kabila a géré la République? C'était par un décret comme ça. Et je crois décret ou bien ordonnance, quelque chose comme ça. Et Kabila, quand il vient et il prend le pays, les gens n'étaient pas d'accord avec son accession au pouvoir. Il y a eu des troubles. Il y a eu la guerre. On a morcelé le pays. Et chacun était dans son coin. C'est comme ça qu'on a dit non, on ne peut pas continuer de cette manière-là, qu'on se mette ensemble. Qui a donné cette idée-là? Ce n'était pas des Congolais. C'était de lui, Michel et les autres. C'était pour leur propre intérêt. Maintenant, taillons cette constitution pour notre avantage. C'est comme ça que quand vous lisez la constitution, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas, pour l'instant, parler parce que ce n'est pas le sujet, mais on peut aller même dans... La personne peut se marier à une personne de son choix. Vous avez droit à vous marier à une personne de votre choix. Il faut expliciter. C'est un peu absurde. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous, en tant qu'Africains, nous devons tailler notre constitution selon nos valeurs, selon nos pratiques. Ça va nous permettre d'avancer. Ne dites pas que l'argent sera jeté, mais vous prenez l'argent qui n'est pas jeté depuis que la constitution, nous en avons jusqu'à aujourd'hui, 18 ans de Kabila, plus les 5 ans de Tshisekedi, ça produit quoi aux Congolais? Nous continuons à plaider. Il faut qu'on puisse, qu'on arrive à réfléchir, qu'on cherche les sages et les intelligents qui se mettent ensemble pour réfléchir autour de comment on va faire pour faire sortir notre pays dans cette gouffre. Ça va nous permettre d'avancer. Sinon, nous allons continuer à pleurnicher et dépendre toujours de l'extérieur. Ça vous dérangerait de voir le président Tshisekedi revenir pour un autre mandat? Ça vous dérangerait personnellement? Comment ça? Est-ce que revoir le président devenir à nouveau, revenir comme chef de l'État pour un autre mandat, est-ce que ça vous dérangerait vous personnellement? Bon, pourquoi le débat est autour d'un individu? Parce que moi, je préfère qu'on parle de la République et non de l'individu. Puisque une fois, constitution est changée, nous sommes quoi? De côté la 4e République, même le mandat est quoi? Maman, il y a le quoi là? Aux Ananzala, au Kizamba, au lobby que ceux qui n'abominent pas ça. Qu'est-ce qui te fait voir que yo kozwa makasa wana? C'est pour dire tout simplement que a toujours le bela ekolo, a toujours le bela batute. C'est-à-dire que tant toko sa la constitution wana na lolenge na biso ndenge toko lingela, yangonde ko déterminer nani ya ko kamba et ko zala lolenge nini. Mais ce qui te le dit déjà que en amont que constitution va ligne comme ça la yango pour na tu sais que dit article. Mais tant on va belligérer on va ça la qui constitution. Et ça qui pour na ba intérêt na bango. Très bien. Parfois de conséquences, c'est une évidence que s'il y a changement tout tombe. C'est une évidence. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ceux qui refusent le changement de la constitution? Vous pensez que là quand on va décider de la nouvelle constitution, donc ça veut dire que peut-être ça peut prendre 5 ans, les 5 ans là. Peut-être Tshisekedi ne sera pas au pouvoir. Peut-être que ça sera après lui. Qui vous dit que non, Tshisekedi sera cependant la reine de Tshisekedi? Non. Mais peut-être que ça peut être après. C'est pourquoi je dis il faut éviter de parler des individus parce que ça risque de créer... De donner préjudice à la République. Parce qu'on dira quoi? Comme Tshisekedi est là, on ne peut pas changer la constitution. Comme attendons, on a dit hier pour Kabila, attendons celui qui va venir. Et celui-là qui va venir, ça sera la même chose. On va dire non. Celui-ci, on n'est pas confiant, on n'a pas confiance avec lui, qu'on attende celui qui va venir jusqu'à ce que... Bon, en fait, on ne sait pas si le monde va prendre fin. Quelque part, le professeur Beauchamp avait raison en intitulant son ouvrage « Changement de la Constitution ou inanition de la nation ». On va dire qu'à l'époque, il avait raison de lancer cette idée-là dans l'opinion. Pourquoi il ne l'avait pas fait? Non. Est-ce qu'il avait d'abord... Il avait raison de proposer cela.
Bon, en fait, il faut lui demander pourquoi il avait donné. C'est parce qu'il était avec Kabila, pourquoi il n'avait pas cherché à arranger les choses. Moi, je crois que beaucoup de politiciens, parce que d'abord, c'est un professeur. Mmh. Et c'est un professeur, en même temps, c'est un politique. Il a double casquette. Et, il lui serait difficile d'être juste dans sa décision, bien à ses décisions. Moi, je pense qu'il faut laisser les hommes des sciences aller du côté science et les politiques aussi faire la politique. Sinon, ça nous amène à toutes ces difficultés que nous avons aujourd'hui. Il a donné son point de vue, mais c'est un livre. Mais pourquoi il n'y a pas eu une proposition concrète? Mais la question est que pour la nini lobby moleki bino ba ya pouvoir ya lelo bo télémenaki changement la constitution ceux qui voyaient ba ke nyon so zo lo ba lelo que constitution ça ma beming biso banani mama opposition à lobby pouvoir ya lelo kazaka ya na 2016 je me souviens ba bazaki na balabala ne touche pas ma constitution on se rappelle ba ba pouvoir na balabala. Attention, qu'est-ce qui a changé bino bozali ba professionnel pour la communication, et c'est na bino kopé sa sango na lolenge longobani. Kabila sa salaki déjà ba mandat na union ceci là qui azalaki na mandat na mandat au-delà même ya timing naye. Ce que yo ayé pour na ba komaki l'intention ko changer. Débat toi habité papa aussi au coup ici déjà au temps là yo au coup qui changer dans mon marché. Est-ce que ce n'est pas différent? Parce que c'est différent de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le dernier mandat du chef, le débat refait surface. Qu'est-ce que les gens vont imaginer? Qu'est-ce que l'opinion va imaginer? Mais c'est tout à fait contraire de ce que madame dit. Pendant la période de Kabila, Kabila a été hors mandat. En 2016, mandat, 2016, mandat, c'est là qui n'en a noté. 2016, il y a un mandat. Kabila, il y a un hors mandat. Non. Il y a créé astuce pour permettre pour s'accrocher davantage. Pour Tango Oyo, d'abord, il y a un zongé là, dans ma gambo, tu colobas. Tango Oyo, tu sais que Bissot, il y a un zali, tu sais que dit. Ah, ou tu colobas, parti, il y a un missi, député Moko. Bon avantage ni nakozala nango même si tu sais que diatikala ki tan mulai parce que nga dans député moko. Vous voyez que je ne parle pas de mon intérêt à moi, c'est l'intérêt général de la population. Si j'avais peut-être 30 députés, j'allais dire, on allait dire non, vous faites ça pour vous accrocher aux autres la bonne politique à la libérer na pouvoir. Non, toujours le bela toujours pesa makanisi o ya biso parce que toujours mon na makambo de kanambo kanabiso ba toazali koler la constitution ils ont même la biso ba problème et dans le ko la libabi na la kisi boye na ebandeli ya création constitution et dali produit o ya biso te ba yeli biso na pesi ndaki sa yo ozali na mwasi na yo mutu moko ya kozwa aboti si mwasi wana yo bana ko sepela mwana nga yo boti na mwasi wana te. Yo ko sepela pe oboti sa ye poza la pe na makila na yo monaka oyo za makila nanga. Comment biso to koza la fière na evre oyo ya biso te. Toso continue na bino ba panzi sango. Vous avez appuyé le kwan. On dit que ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre des belligérants, des seigneurs de guerre. Et ça mina sa cité pas na biso awate. Mais esengé na biso to sanga na biso ba kongole mabeza li wapi. Pourquoi to lingi kaka ko c'est ko ça la mimétisme toujours ko dépendre de l'extérieur. C'est comme ça qu'il va se considérer comme une soubana jusqu'à présent. Tous alina et le kokolobate. Au comment la makamuna bisou stokoloba na munoka bapaya. Constitution et sami na munoka bapaya. Soko keina kitokimosi. Aux yeux constitution au présenté bande comme ça kitokimosi ba bien ngote. Ba ko comprendre te obanda ko expliquer bango mais eloko ezali produit na bino boyebi ko expliquer ngote faut mutu musu soya ko expliquer. Ça veut dire que c'est pas notre œuvre. Pour les nids, tout le monde a dit que les Congolais ont raisonné comment tout le monde a fait ça pour que les Congolais soient dans la malam. Pour les Kobala, ils ont fait tout ça la boue, par exemple. Pour les accéder au pouvoir, ils ont fait tout ça la boue, par exemple. Tout le monde a fait ça dans l'arbre, par l'arbre, tout le monde a fait ça dans l'été, dans le passage, dans l'arbre. Pour nous éviter le coup, nous allons infiltrer.
tu as infiltré papa ya balingi tout ça la bongoté pour tokozonga na identité na biso. Il faut qu'on pense à biso na yango o nga na dali ko souhaiter on a dali ko senga ezali to kanisa na lolenge na biso. Très bien, toi avancer. Juste une dernière question avant que nous ne puissions passer à une autre thématique. Je voudrais simplement savoir, dans le contexte actuel, quelle est l'opportunité de pouvoir changer la constitution au second mandat qu'au premier mandat du chef de l'État? Bon, vous ne m'avez pas reçu au premier mandat. Si vous m'avez reçu au premier mandat, peut-être j'allais avoir la même position. J'ai eu à parler, c'est pas aujourd'hui, hein, et vous pouvez mener des recherches sur plusieurs chaînes de télévision, RTNC, Télé 50, pendant très longtemps. Moi, j'ai parlé, j'étais encore dans une structure humanitaire où je parlais plus de la Constitution ou qui posait problème. À quel moment vous avez commencé à proposer les changements de la Constitution? À quel moment? Moi j'ai commencé à proposer les changements, je crois qu'on peut vous balancer les images, depuis, si je ne me trompe pas, 2017. Donc j'ai eu l'occasion de parler hein, à la télé, en fait. En coulisses, j'ai parlé, mais j'ai eu l'occasion de parler à la télé à partir de 2017. Je crois que ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours gardé ma position jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, ce qui importe plus l'intérêt général de la population, moi, je ne vois pas les individus parce que je sais que, coûte que coûte, Tshisekedi ne sera pas éternel au pouvoir. Ça, on doit le maintenir. Donc, c'est même par magie, il ne sera pas éternel au pouvoir. Même, il ne va pas rester comme ça pendant longtemps. Il va faire son temps, il va passer et la République va rester. Et celui qui va venir après lui va trouver qu'il y a un terrain qui est assaini, qui est bien préparé. L'intérêt, c'est l'intérêt général. Aujourd'hui, vous avez besoin que vos enfants aussi retrouvent une bonne vie. Il ne faut pas toujours dépendre de certaines personnes, certaines catégories de personnes, même lors comment on appelle ça, mode d'accéder au pouvoir. Nous voyons que c'est compliqué, il faut faire ceci, il faut dépenser beaucoup d'argent, il faut battre campagne, il faut 5 ans. Par exemple, je donne l'exemple de 5 ans. Pendant 5 ans, aujourd'hui, Tshisekedi a combien de mois qu'il n'a pas travaillé? Et quand il va entrer au pouvoir, quand il va commencer à travailler convenablement, ça va lui poser encore problème. Pourquoi? Parce que tout ce temps passé, il va les récupérer comment? Et c'est la population qui souffre. Tout ceci, c'est l'œuvre de la Constitution. Parce que lui ne peut pas faire des choses de soi-même. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Tshisekedi ne va pas commencer à travailler sans un gouvernement, sans des ministres. Ça va encore, on va encore crier de la violation de la Constitution. Pourquoi on ne peut pas revoir tout ceci pour que ça nous permette de bien entrer en contact avec le chef de l'État et s'il est responsable de tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, le premier ministre, c'est lui, le chef du gouvernement, mais il n'est pas responsable devant la population congolaise. C'est le chef de l'État. Le chef de l'État a été voté par les souverains primaires. Mais lors maintenant de poser les actes, ce sont des ministres. Quand il y a des détournements, on dit c'est Tshisekedi qui vole. Ou bien c'est le président qui vole, pour ne pas citer l'individu Tshisekedi. C'est le président qui vole. Pourquoi ne pas responsabiliser directement le chef de l'État qui est dépassé par ses ministres et les autres, ses collaborateurs? D'accord. Tout le bela, bongo, situation sécuritaire, mayambo, to, kinde, kuna, installation, yaba institution, tomoni, bureau, assemblée nationale, et vandi, mosala, le loba, kotina, mosala, équipe, caméra, législature, openza, et koti, ce qu'il faut qu'on tala, ba mission, na yango, tope, nini, population, zale, koze, la lecture, na yoye, za, nini. Eloko, asika, eloko, asika, exacte. Et parce qu'on dit en français, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous avons un éloque spécial au Cameroun, comme une assemblée. Mais Essengeli n'a eu qu'à la présente assemblée. Moi personnellement, nous allons féliciter parce que tu vas voter, tout le monde a qui. Et là, qui m'a dit qu'il y a mobilité. Et ça, l'ami Polélé, qui va compter le nombre de voix où il y a eu. Mais Nakosenga n'a tout simplement que à sépelater parce que c'est Edali charge. C'est vraiment une grande responsabilité. Edali n'a mapé Kanaye et à contrôler le gouvernement.
y a qu'au contrôler l'entreprise publique, il y a qu'au voter la loi. La loi qui peut permettre biso tout entrer tout kotana mon pépé asika. Mais ce qui a coté sous na makambo où il y a ba conflit, il y a kubanda ko bendana. Okoyoka ono premier ministre azoyo kanate na président assemblée ono président assemblée azo to saté mai mukonzambo kazo loba au moment que la population a l'air de bénéficier. Pourquoi? Parce que les lois ont présent à l'Assemblée nationale. Il y a un avantage. Il y a la République qui a fait un avantage. Mais est-ce qu'il y a un avantage en retour ce que la population a fait? Parce que il y a un contribuable. Est-ce qu'il y a un avantage qui en retour? Il y a un avantage qui est rigueur. Il y a un avantage qui contrôle. Débat à Malonga dans l'Assemblée nationale. Maloba na kosala il y a des choses différentes. Omoni banglophone bango balingaka kosala balinga mingi mingi malobate. Mais ba francophone bazali na politique ya kolobaka mingi. Ngai na kosepela français ali kitoko discours na ezaki malamu tokolia français te tokolia le pe discours wana te. Mais tokosepela comment on est sur terrain. À ça la macambo pour nga na yo ki alobi a ko protéger ba député mais biso to lingi to dans la république il y a des ordres. Pour moi je ne trouvais pas l'importance de son discours par rapport à ce qu'il avait dit que ba député nyonso ba libre a ko loba soko ko critiquer mo kozamboka ezali bongo te. Mais ça temple la démocratie, c'est oui, normal démocratie, que moi je suis pas à s'exprimer. Moi je suis pas de ceux là qui soutient la démocratie parce que ceux qui n'ont tout nié à la démocratie zanini on peut s'engager réponse y a mal amouté l'ancien ouzala mais engal na lobi lini na lobi osomo na biso mutu o ya uti a uti na isiro isiro depuis à Botama à travers comment la capitalité yo ebisi que nous critiquer na yo ko critiquer et dans le sens mususu mutu a ebina ye koloba critique la criminalité hein. Donc à cause de la aza député parce que député c'est pas forcément moto à atteindre ma classe à cause de la moto yo population à la confiance mais classe à kenda atanga penza penza te. Tant que vous avez dit 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 que vous tant aux autres macamboya discours na ya lui macamboya ya relation na biso na ba pays voisins biso Congo tout est comme ça là ba pays voisins ba problème t'es pourquoi azo matelé sur ça pourquoi matelé qui ngai na yoka ki bien t'es qu'est-ce qu'il a dit qui vous a choqué? Bon il choqué ngai t'es mais tout ça na moment moko tout ça na conflit na Rwanda ou ali ko agresser biso. Il y a le bitang au Komawana, à Koluka moyen, à ce que tout ça n'a pas relation malam. Tokuluka relation malam n'a dengenin. Tout ça n'a qu'à bitumba. Il faut aller bisabiso que, ma discours n'a yé, que le Kolanga n'a koti, tokosa la nyon sopona, toki bitumba, to bunda. Mais il y a le bique, à Kosala man sopona, tout ça n'a pas relation malam. Il a dénoncé, il a dénoncé l'Ouganda et le Rwanda. Azali quoi, Madoué, Azali langage politique. Peut-être bino mozape na langage na bino ya ba journaliste langage politique ozo mona ozo loba ozo pakola mwa mafuta na maboko il faut ko beta et là il singe ko beta je crois que biso ba congolais tuningi to vivre en paix on n'a jamais eu de problème avec nos voisins mais ko singa na ba voisins ba cesser complicité o bazali ko sala na mboka o ya biso mais o nazali ko zongela ali que azali na charge ce que nous attendons d'eux c'est des résultats et non de voter des lois. Parce que la RDC a des lois, mais nous avons besoin maintenant de ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher, ce qui est avantage pour les Congolais. D'accord. Il y a eu primaire
L'Union Sacrée pour le choix du candidat de l'Union Sacrée à au perchoir. Vital Kamerhe a été voté. On a vu le député révolutionnaire dénoncer le ticket qui a été présenté définitivement pour être celui du bureau définitif. Beaucoup ces députés révolutionnaires accusaient le président de l'Union Sacrée de népotisme, tribalisme, clientélisme, tout ça. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui était la base de cette chamaillerie, ce combat pour les postes au sein du bureau des filles? Qu'est-ce qui était à la base de tout ça? La médiocrité. Oh, donc quand il y a l'Union Sacrée? Oye bi satana uta likolo no. Batu balobela kango te. Satana uta likolo. Auta na sete. Oye bi Jida azaki parmi ba apôtres. Apôtre choisi par Christ. Un apôtre. Un envoyé spécial. Et qui est médiocre? Jida. Qui est médiocre dans l'Union Sacrée? L'Union sur l'obéli ba tout ce que vous avez parlé de népotisme, tribalisme, oui, oui, oui. Tout ça, ce sont des médiocres. Mais lorsque je parle, est-ce pourquoi vous voulez que je cite le nom de quelqu'un? Je parle de ce qui est mal. Le mal, quel que soit l'habit qu'il porte, ça s'appelle le mal. Le mal. Même si oui. Il est en costume, il doit être appelé mal. Vous avez décrié. Les journalistes, vous avez remarqué qu'il y a eu des népotismes, tribalisme, tout ça. Mm. C'est la médiocrité qu'il faut bannir dans une république parce que la république n'appartient pas à un individu. La république, c'est pour nous tous. Il faut qu'on laisse faire, il faut qu'il est compétent. Mais la compétence, on doit prôner la compétence, que de prôner le frère et sœur biologique, ainsi de suite. C'est votre famille politique. Vous partagez la même vision. Qu'est-ce qui se passe? Je vous renvoie. Mm. J'ai compris votre question. Je vous renvoie à notre Créateur Dieu. Et Lucifer était l'ange de lumière. Il était beau. Il était tellement bien. Mais il a fini par tomber. C'est le cœur d'un individu. L'Union Sacrée, c'est une vision du chef de l'État. Mm. Il a fait appel à tous les Congolais de pouvoir l'accompagner pour qu'on puisse réaliser ce qui est bon. Mais lorsqu'il y a dans l'assemblée de bonnes personnes, le mal vient toujours. Des personnes mal intentionnées, ceux qui veulent leur propre intérêt, ils viennent toujours. On ne va pas dire, on ne va pas, parce que nous sommes dans l'Union Sacrée, le mal, on applaudit. Non, mais non. Non, on ne peut pas faire ça. Surtout pas pour nous, ADC. Tata Moukambieko, la loba qui est rosongé à Barrère, il y a passé. C'était aux Obanzeza, Barrère, il faut éviter tout. Et ça, bateau, on il faut mettre de côté. Omoni nako tuna yo mutuna mama, mais bien que bino bolinga kaba tuna binote Nzambe azali le tout puissant, il a tout mais pourquoi benganaka diabluté? Pourquoi benganaka diabluté? Il est toujours là, mais Dieu est capable de l'enfermer. Pourquoi il le chasse pas? C'est tout simplement dans la politique, on ne peut pas faire ce que nous appelons règlement des comptes. Il faut prêcher la démocratie, telle que vous le voulez. Moi, je ne suis pas de cette école-là de la démocratie. Parce que je ne comprends même pas l'essence de la démocratie, mais je concède quand même pour ceux-là qui acceptent la démocratie. Dans la démocratie, on donne la liberté à chacun. Mais il faut que nous ayons une bonne justice. Le problème aussi, à ce niveau-là, la justice, comme l'a dit le chef de l'État, est malade. Il faut la soigner. Il faut enlever tout ce qui est pu. Pour les jeter, pour avoir une bonne justice. Une fois nous avons une bonne justice, ça va nous permettre de mettre la main à qui va essayer un peu de dérouter, aller de côté. La justice est malade. Pour le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. En d'autres termes, c'est lui qui s'assure qu'une institution fonctionne bien. Est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait pour que la justice soit une institution qui fonctionne bien depuis qu'il a déclaré que la justice est malade? Qu'est-ce que lui a pris comme décision pour que la justice puisse mieux se porter? Je parle de nouveaux magistrats, juges qu'on a
Non, là, le concours avait eu lieu depuis 2023. Ils sont ils ont commencé. Oui. Ils vont prendre petit à petit la relève parce que ça ne va pas se faire automatiquement. Tu sais, Guédi ne va pas prendre tous ces magistrats, ces anciens magistrats, les jeter pour remplacer les nouveaux qui n'ont pas la maîtrise, qui n'ont pas la connaissance sur certains dossiers. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il a parlé, déjà, il a dénoncé. Ça montre qu'il a la volonté de faire changer les choses. C'est à nous aussi de comprendre, parce que peut-être quand on posait ces actes-là, là, on pensait que c'était bien encouragé, mais lorsque le chef de l'État a dénoncé, je crois que les individus peuvent quand même se rétracter pour se corriger et faire ce qui est mieux. Je crois que l'importance pour nous, c'est les chefs à parler, on exécute. Mais nous sommes en train de voir aussi. On a vu pendant l'élection des gouverneurs, des sénateurs, de faits qui relevaient pour beaucoup d'avocats de la corruption à ciel ouvert. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les personnes qui ont été citées dans des sales affaires n'en sont jamais inquiétées et occupent même des hautes fonctions dans la famille politique. Est-ce que, au regard de tout ça, où s'exprime la volonté de changer les choses, de changer cette justice? Lorsque nous arrivons à les dénoncer, il y a déjà une volonté de la part de... Parce que vous l'avez aussi remarqué. Je crois que les gens pensent qu'en faisant le mal, ils peuvent être applaudis. Nous sommes dans une société où la souffrance a pris vraiment de l'ampleur. Et où lorsqu'on présente des billets de dollars, et la personne va céder facilement. Dans toutes ces formes, la corruption, c'est pas quelque chose qu'on peut encourager. Mais elle est devenue institutionnalisée. Parce que les sénateurs sont élus sur base de corruption, dénoncés par des ONG avec preuve à l'appui. Mais il n'y a aucune suite. Ça veut dire quoi exactement? Oui, nous avons le procureur général qui doit se saisir de ces dossiers. C'est pourquoi je parle de la justice, la faiblesse de la justice. Parce qu'il ne faudra pas que le chef de l'État commence à arrêter. Mais en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a un rôle à jouer pour que cette justice puisse se remettre de sa maladie. En fait, ça s'est dit beaucoup. Le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit garant? Il doit garantir le bon fonctionnement, n'est-ce pas? Oui. Alors, il ne va pas travailler à leur place. Il va dire non, ça ici, ça ne va pas. Mais quand on vient avec les arguments, on dit non, voilà, ça a été comme ça. Vous voyez, en droit, il y a trop de réalités. Donc, vous, je vous accuse d'avoir volé. Mais sans preuve, ça va être difficile pour que les juges puissent trancher. Parce qu'on dit, bon, il a volé, oui. Prouvez-moi qu'il a volé. Il a détourné, il a corrompu, oui. C'était où? C'était combien? Tous ces éléments devant la justice, c'est la loi. C'est la loi qui pose, qui nous bloque. Parce que il n'y a pas moyen que le procureur puisse aller au-delà. Il est aussi limité. Il doit avoir les éléments à sa possession pour pouvoir enquêter. Il peut mapper quelqu'un, mais en fait, il a envoyé quelqu'un en prison pour mener des enquêtes, tout ça. Mais pendant qu'il mène ses enquêtes, il ne trouve pas de l'issue. On fait comment? On libère la personne. Tout ça, c'est la difficulté que nous avons dans notre pays. C'est pourquoi il faut tout revoir. Pour moi, même les lois, parce que quand je parle de la loi mère, je dois redescendre, parce que je vous avais parlé de contexte que je parlais, c'était donc contexte général. J'aimerais aussi qu'on aille en détail pour dire dans tel contexte ça ne va pas, telle loi ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans notre République avec les 5 ans. C'est difficile, pas aujourd'hui. Hein. Il nous faut encore beaucoup de temps pour changer la République. Que personne ne vous trompe, que moi je viens, je vais faire changer les choses. En 5 ans, en 10 ans. Bon, en fait, nous avons besoin de changement ou bien nous n'avons pas besoin de changement. Soit nous voulons un changement, soit nous ne voulons pas. Et les changements, vous voulez construire votre maison dans une journée. Vous pensez que ça sera une bonne maison? Qu'est-ce qui a changé depuis 2019? Pardon? Qu'est-ce qui a changé depuis 2019? Ce qui a changé. Comme quoi? Qu'est-ce qui a changé dans notre société? Parce que quand on élit un gouvernement, on élit un président de la République, c'est pour qu'il apporte un changement aux erreurs que ses prédécesseurs n'ont pas su changer.
Vous pensez que je pense que c'est un cas parce que nous sommes. Qu'est-ce qui a changé dans votre contexte de, de journaliste? Vous pensez à l'époque de Kabila, on pouvait parler comme ça, on pointe du doigt comme ça, et puis c'est en parlant comme ça, déjà ils sont là, ou bien on demande au chef de couper. Liberté d'opinion et été sous Tshisekedi, Zalaki, Bachchan, Zalaki, combien n'importe quel Kabila. Tumbayo, Bakotia, ceux qui voient, puis tout ça, peut-être aux autres, Banayo Kaka, mais au Yébina Moutema, qui est la facilité. Déjà, c'est un départ. Moi, je ne vais pas toucher la Magambe Bélé. Le lot, Je pointe même du doigt à la famille dans la politique. C'est pas seulement ici dans ma chaîne Ebélé dans lobby n'a pointé un peu du doigt. Et d'ailleurs j'ai parlé, j'étais dur hein, envers ma famille politique, mais au moins on a été au Koloba bon quand on a Koloba le soutien. Non, vous sentez que on me donne quand même, mais tout en respectant les autres. Ah, on a l'équipe, on a refusé la montouté dans le bateau montouté le on a montouté les amener. Non, ça là on a commis qu'on s'est écarté na où il a logique. Alors, je reste dans la logique en respectant les autres, mais en conseillant aussi. Parce qu'il ne faudra pas toujours continuer à critiquer, mais il faut aussi prodiguer des conseils. Il y a une déclaration de William Ruto aux États-Unis. Il y a une question de l'opinion. Il y a coup d'État, tentative de coup d'État raté au Salamaki dimanche dernier. Déjà, il y a opposition. Il y a un scénario. Mesir ni joie mina simala yango bato boni bakanga mi bato boni baza sanctionné puisque assaillant na bakoti na ville non seulement bakoti na ville baketi na palais de la nation basali plus d'inaire ko sala makabo balinga ko sala et puis après bazaki qui maîtriser après qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui s'est passé maman il faut tout musaka nzambe à chaque fois toujours la Mukana Congo parce que d'abord faut boyer histoire il faut comme ma pas un bino ba journaliste pour na banana biso ou akotika la bayeba la vraie histoire mboka to peuple oyo aibi histoire na yete akobanda ko mettre ba erreur ko zongela kaka bambe ba chaque fois bande ko batali koloba que na landa ki batumi balé en la ligne de konbiso chole na landa ki pe de konbiso wa dali ki ancien premier ministre Matata Ponyo. Bon, na lingi kola kisa exemple moko moni na munoko oyo buka alikuta vérité yaka penza penza te na zozo akaya ndeko na biso ancien premier ministre alobi que keleki na TV5 monde alobi azali ko douter azali quand même ko remercier Kamere mais azo douter na coup d'état pourquoi coup d'état et ke yaka ke pa Kamere na maison palais de la nation wa échec ni lobi ezozo be bango bongo ce qui a solo e komaki que mon gouvernement qui a parlé de la nation va kanga qui est va pas changer discours ndekouana lobaka que badui qui na mutu kazo qui badui elle a kissé même na TV5 monde mais imaginez que ça c'est betami awa il faut que il a awa mais ngana zo betali ça si awa ça si na poso et était pas nayo mais elle qui ça c'est l'équipe pour ce que na mutu kana wa ndali lokuta na zo ndeko na biso mususu chole tango azali ko lobana landie na yokite et pas yopiye azali ko condamné acte barbare azo regretter kaka ndenge ba réseaux sociaux azali ko lobela kaka ye moko wana soko landi malobana ye azaka penza na mulongo te po alobaki jeune courage moko soko abimi akokozwa bokonzi alo na makambo nyoso wana soki mutu na munoko na ye lokuta ezalaka mingi ezali mwa pasi pona kondima kaye makambo esalemi Nzambe a pas épargné Congo parce que ceux qui le Congo bazwa ki ango na tala ka effort biso to sali malgré tozo ba yelo to changer constitution tala effort to sali pona kokoma isika to komi mutu ayena manduki akoti ceux qui mutu solo adaki libérateur pona boni boni abominde kona biso elenge atiki mwasi na mwana de za koma yi adaki libérateur ayi ko sauver mutu adaki jeune lokola yi wabuma ki pona nini pona wala kisa ki non ba ya ki pona ko si sande biso mais ndeni ba kota ki ba komiti na pali de la nation oyebi o ba benga ka complicité na trahison biloko na de salem moi je parle en toute responsabilité en tant que politique complicité na trahison ezali y a-t-il des sanctions ba konzi na biso
oyo badali ko gérer sécurité badali ko gérer renseignement ba yebisa biso ngana za na moko na ba oyo balobaki il y a de cela deux ou trois semaines passées que il y avait un ça ne va pas na bichingo bila il y avait un ça ne va pas parce que makamba bandoko so ya mba konzi ya bichingo bila na DGDA biloko ekokota ina ne komia watezana kuna na ngambo basali main levé biloko ekoti ngana décrire comportement na lobby bako kote la biso biloko amabe il faut bon contrôler la biloko nyoso bako zwa bakanyaka mais biloko bon contrôler la quand même. Alors des services, nos services de renseignement peut-être bayoka kité peut-être bazeki akolala on a profité de notre faiblesse wana ndé tozali kote le mela yango to lobby explication bazako pe service ba lobby to fongola ki couloir pour bakota to kanga bango moi je suis pas d'avis avec mais un coup d'état où les symboles du pouvoir ne sont pas attaqués, est-ce qu'il mérite d'être appelé coup d'état? Bon, en fait, qu'est-ce que vous appelez un coup d'état? Coup d'état, tentative de coup d'état où les symboles du pouvoir ne sont pas attaqués. Les symboles du pouvoir, c'est quoi? Quand quelqu'un arrive déjà à la Maison Blanche, je vois la Maison Blanche aux États-Unis, il entre dans la Maison Blanche. On appelle pas ça un coup d'état. Donc, vous allez à Élysée, vous entrez là-bas, avec des armes. Vous dites, tu sais que tu dégages, Kamir, il dégage. Nous disons, mais merci. Ça, c'est pas un coup d'état. Vous l'appelez comment? Vous connaissez les symboles du pouvoir. Vous avez l'autre définition du coup d'État. Vous connaissez les symboles du pouvoir. Donc, le coup d'État, c'est le renversement du pouvoir. C'est comme ça que ça s'est défini. Renversement du pouvoir, ça s'appelle coup d'État. Vous arrivez au palais de la nation, là où le président de la République avait prêté sa serment. C'était au palais de la nation, non? C'est considéré, vous allez parler des nations, en principe, c'est là où le chef de l'État doit normalement habiter, vivre avec sa femme, en principe. C'est comme notre Maison Blanche, il doit habiter là-bas. Mais pourquoi la personne arrive là-bas? Pourquoi ça fait débat? Mais comment il se retrouve, Nanda Kouya Vital Kamere, pour quelles raisons? Bon, en fait, là, il faut enquêter. Donc, on ne veut pas entrer dans leurs pensées, ils sont allés là-bas parce que. En fait, on parle. Je vois les débats autour de Vital Kamerhe. Et il y a même des doutes par rapport à ça. Il y a certains qui disent, bon, il y a eu sa femme qui a tweeté qu'il était avec son mari. On montre une vidéo où ça s'est passé son cas de cause, c'est un membre de sa famille qui dit, j'étais avec le chef ici, on a tué Sissadjib. C'est des questions qui se soulèvent. Ouais, je ne suis pas là-bas. On a dit qu'ils sont allés même chez la Première Ministre. Ils sont allés chez Japper Bemba. Mais on ne parle pas de Premier Ministre Japper Bemba, on parle plus de Kamerhe. Et on veut parler, en fait, quand on veut attaquer le chef de l'État, on peut être renseigné. Donc le chef de l'État travaille souvent à telle heure, à tel endroit. On peut l'attaquer là-bas. C'est possible. Est-ce que vous pensez que ces gens-là étaient idiots? Non, ils n'étaient pas idiots. Est-ce que ils étaient bien préparés parce qu'ils n'étaient pas seuls. Parce que d'après les informations que nous avons eues, ils ont communiqué avec certaines personnes. Vous avez dénoncé les défaillances au niveau de l'appareil sécuritaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'il n'y ait aucune sanction jusque-là, que ce soit au niveau de l'administration sécuritaire, au niveau même... comment dire, de l'appareil de la défense. Vous trouvez ça normal qu'il n'y ait aucune sanction jusque-là? Non, attention. Attention, dire qu'il n'y aura pas de sanction, c'est trop grave. Jusque-là, il n'y a aucune sanction. Non, mais on doit d'abord enquêter. On ne procède pas comme ça, parce qu'on risque de laisser la cible et puis aller d'autre côté. On est en train d'enquêter. On a déjà convoqué plusieurs personnalités politico-religieuses, ils sont allés là-bas et répondre et tout ça. Les services, on appelle ça services intelligents. Ils sont en train de travailler. Ils ne vont pas prendre des décisions comme ça. Et on doit prendre en toute responsabilité les éléments qu'il faut avant de s'en. Parce qu'on peut même dire que j'étais telle personne, j'étais avec Maître Eloy, ou bien j'étais avec Madame. Peut-être que c'est seulement pour vous habiller le mal. Il faut enquêter. Et s'il y a eu des communications
avec madame ou bien maître Eloy, à ce moment-là, on peut dire non, vous êtes lié à ça. Des assaillants et qui traversent va, la ville. Je vous promets que on va sanctionner. D'accord. Ça, je vous promets. Gardez la date d'aujourd'hui. Retenez qu'on va vraiment arrêter beaucoup des autorités et voire même le. En fait, d'accord. Je me réserve, je ne peux pas dire de temps que les enquêtes continuent. Ouais, parce que Sali Mwambutu Mbutu, au lendemain, même le jour même, il y a coup de temps à Tongo, n'a pas quoi, mon concert, mon cause à la confirmer. Le ministre de l'Intérieur, censé, s'il y a sécurité, il y a Mboka, s'est retrouvé dans le stade, Bélé n'a pas dans le stade, pas de mesure. Oui, Jean Maki, après deux jours, mon couvre-feu. Et ça, télémisaba doute collègue sur cette situation. Bon, le problème c'est que moi je pense en tant que politique, je raisonne librement. Moi je pense que on a maîtrisé la situation. Moi je pense qu'on avait maîtrisé la situation. C'est mon point de vue qui n'engage pas les responsables de la politique. Et je suis pas, je ne travaille pas avec eux. Je pense que Bandeko Oyo. Situation est là qui maîtrisait. Des gars pesaient salami quitté. Sauf que tu perdre, bah, la police n'a pas mis balé. On allait que tout ça m'a monté ma pointe à bango. Et na elengé n'a pas mis bomi. A tiki moi si na bana. Et d'ailleurs, ça la passe. Comme on a là qui parmi batouba organisé qui manifestation en athée. Oyo a assuré qui sécurité Yamboka comme ministre de l'Intérieur, c'est à lui qu'on doit poser cette question. Parce que ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a un côté de l'émission. Parce que si tu as un côté, si tu as un côté, si tu as un côté, dans la situation, le modèle est là, tu as un peu de intérêt à cause de la. Comment on appelle ça? Intérêt à cause de la concert. Il fallait que tu aies un là. Pour que ma campagne est salimate. Mais le coup de salimi est singeli na biso kotuna ministre de l'Intérieur. Aïe bisa biso boni boni à salaki pour que conseil de salima dispositif ni na zoaki sécuritaire pour que ameka ko maîtriser batouana ba kwa ki pe ko sala ko tcha et bien sabotage na kati ya stade. Tunga batouana ya koufa ebele et tant on a ko ibisa nga ki yepe a gendaki na stade pendant ko. Kobina toko yemba na yokipende salingai nzoto malili pona yebaki na zaki information na tena yokipende nzoto malili na koloba comme conseiller ceux qui na zaki conseiller na ye ki akoki kobimate fala ki a d'abord à l'an de la likambo ya sécurité ya mboka en tout cas ko sala mawa na makambo yebisingai. Une dernière question pour moi. Ils ont attaqué le bureau du président de la République en plein cœur de la capitale. Ils sont même pénétrés, ils ont commencé à faire un live qui a pris un certain nombre de minutes après que les forces nationales puissent venir les neutraliser. S'ils arrivent à pénétrer la présidence, le bureau du président de la République, qui est censé être le lieu le mieux protégé du pays, parce que c'est le chef de l'État, c'est le symbole de l'unité nationale. S'ils arrivent à pénétrer la présidence avec une telle facilité, que dire de citoyens que nous sommes? Est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment sécurisés? Si nous n'étions pas, d'abord je tiens à féliciter nos FARDC, Maman Pinga Nabiso, nos soldats. Je tiens sincèrement à leur dire merci pour ce travail de titan. Si nous n'étions pas sécurisés, ça aurait été autre chose. C'était une bonne préparation. Ces gens-là, comme j'entends les autres bouches dire que ce sont des amateurs, tout ça, non. Il y a eu complicité. Un voleur ne peut pas entrer dans votre maison s'il n'y a pas quelqu'un. Un voleur qui habite Bandal, où vous êtes à Gombe, il vient jusqu'à la Gombe, il entre dans votre maison sans qu'il y ait un complice dans votre maison. Non. Ou bien quelqu'un qui fréquente régulièrement votre maison. Il y a eu complicité, il y a eu des traîtres qu'il faut, je vous ai dit qu'ici qu'on va arrêter beaucoup. Et parmi les autorités, il y a les autorités qui ont donné couloir. Ça, c'est l'analyse que nous faisons en tant que politique.
il y a eu cette facilité-là qu'on a donnée. Il pensait certainement que le chef d'État serait là-bas. Parce qu'il a l'habitude d'aller travailler à son bureau. Donc c'est comme ça qu'ils avaient ça. Or, le chef aussi, avec son service de renseignement, lui aurait peut-être interdit de ne pas aller ou bien demander de quitter avant. Ils sont arrivés et ils ne l'ont pas trouvé. Parce que la mission était d'appréhender le chef de l'État. Quand vous dites que ce n'était pas... C'était le chef. Quand on entre dans votre maison, à votre insu, quand quelqu'un entre dans votre maison, saccage votre maison, c'est vous. Il avait besoin de vous, pas une autre personne. Parce qu'on sait très bien qu'il avait l'habitude d'aller là-bas, ou bien il a l'habitude d'aller de ce côté-là. Moi, je pense que nous devons interpeller nos services d'éviter ce que nous appelons botalikasu. Parfois... Il y en a aussi à la présidence. Bon, c'est d'une façon générale. Je parle même de ceux-là qui viennent avec de véhicules qui cachent numéro matricule. Le chef de l'État lui-même ne cache pas ce numéro de matricule, plaque de matriculation. Mais nous voyons certaines personnalités qui se promènent comme ça. Je pense qu'il faudrait que le chef de l'État puisse revoir de ce côté-là. Parce que quand on vient avec une Jeep cachée, matricule, c'est une autorité, on fait passer. On ne rend pas un bon service, on ne rend pas un bon service à nos services de sécurité et de renseignement. Ndeko Eloy Koupa, comme na souka émission, tu rappelles que ça secrétaire général il y a parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, nini bala mboka ba simba penza na boleki na yo na plateau ya face à l'opinion makola yo. Oyo bandeko singena ba ngoko simba ezali que na boleki na ngai awa na moni ya plateau za malamu. Vous posez ma question, malam ou pe, vous tenez à l'aise. Studio Nabino, il a dit Kitoko, il a dit la climatisation. En tout cas, je vois qu'il y a un grand travail. Et Tofingi Moutoute, Tolobi, il a dit Nakatia Moutema, vous tenez à l'aise. Vous tenez à l'aise, vous tenez à l'aise. Je crois qu'il y a un robima awa, n'a enquêté à l'aise. Donc, il a dit à Moutoué, il a dit. Toti kaba divergence na biso mais total à Congo. Ce qui tokota la solo solo Congo et kolo na biso tokokipe ko sunga ba ba koya sima. Mais ce qui tokota la ba mabinga na biso tokota la ba intérêt ya ba famille na biso et ko la passe parce que non seulement ki marambo et sami na mboka na biso tokoki ko condamner ango mais esengeli peto sosola. Makambo e yepo na nini? Tout le monde a kaka mabete, tout raisonné pe. Pourquoi ma kambo est salemi? Bato ba sali ma kambo, na bato balandi bango. Balandi bango pour se misale les alités. Balandi dans la libumba, ba kosi bango, ke bazo engager bino quelque part, misale les alités, tous à bino. Tu fouta bino $500, $1000. Tant mouta vendi na chômage pendant très longtemps, aye koumona ke bazo yo proposer moussala, a koko se livrer. Na yango, ba ou bazali ko kambamboka, tous à la conscience. Il y a que tout son école. Ce qui te cause la caca, na mutema, il y a égoïsme, il y a que biso, na bana na biso, na ba poche na biso, et cause la malam malam. Nde qui ça ADC, bozara na député, moko se boko tana gatote, bino pe bo supporter pour Isaka Congo. Te, faut ko boya eloko wana. Pona nini? Eloko wana nde zali ko mema koko so na mboka. Tant to kende ko soutenir mko na mboka, ba yebisa biso te ke Moutokoya na oyo akomema akozwa part de gâteau boye. Toi mine ma pona misalem. De vocabola yekuna na pa famille politique na bino ndeko kabuya loba ki di député poste ministériel moko. Te moi na famille na biso ndeko kabuya ko kipe ko loba. Mais biso pe to zali pe na mon autorité ko zongisa. Hein? To lobi boye. Vous avez consulté? Na makambu ya to zali consulté mais tout quel tout to pe si ya biso opinion. Naibi na tozaki bayamba ki biso na ndeko kabuya en tant que informateur. Bayeko yamba biso e pa ya mama Tuluka comme premier ministre a pesi biso maloba tolobi. Tolobi boy pona ngai maître Eloy en tant que secrétaire général na lobby. Mama azali mama akabola na batutu même bayi opposition. Autobenga opposition ngana linga ko bien mais finalement moza tozana combien de partis politiques na union sacrée banane de brosse retrouver na rate sa gouvernement te ba congolais nyo se retrouver
les Congolais ne se passent pas retrouver. C'est important. Parce que Mbokanabiso, Mungana Pesek opinion n'a pas que Mbokanabiso Tokyo même 1000 ministres. L'État perd de foutre avant bien. Exemple, Yangoyo, Bachoyo ministre, Oyibi, 65 millions de dollars. Yomoko. Vous comprenez? Nabi Chingobila, Yozozoa, 200 000 dollars au tien à poche. Ozui, 200 000 francs congolais au tien à caisse à l'État. Ozeli, le sous à la fin du mois, Foutayo. Wanza Mouyibi double. Mais je pense que si nous pouvons donner la chance à tout le monde, ça peut être bien. Ponanine. Parce que sous Bolobi qui est train de vie charge et qui est belé, il a l'argument solide de Penza Penzate. Donc on est la bamboka et Kendali Bosso, Bazan, la ministre est belé, la poste est belé. C'est Bazan le quoi la bisote? Mbokani, il y a le coup de la bisote, la bomengo. Mbokani. Par rapport à la richesse, mais il y a le coup de la mouke. Mais il y a la malam, tu as le mouke, mais bon, on peut zoomer. Mais oh, tu as le mouke, bon, on zoomer. Tu peux imaginer une personne achète sa voiture de 500 000 dollars. Namboka oui. Adam ministre, il est voiture, mais Adam voiture ou 500 000 dollars. Il boni ba congolais. Il est moussa la nia salaria 500 000 dollars. Ce que tu as pour vous abattre, ce que tu as pour appuyer. Maman, ce qui est nanda kunayo, vous en a moins à moko. Oui, vous vendez na été. Ce que vous avez dit que non, tu n'es pas payé sur ce que vous avez dit. Ou bien misato, ou vendre ma malam. Si toi, ministre, ministère moko, tu n'es pas en mesure de bien gérer. Tu penses que ceux qui battent ma ministère, mon sousso, va réduire, va fusionner. Nde ou kamba malam. Non, ils ont argument à tenir. Très bien. Ou personnellement, n'a pas qui, maman Toulouka, à tenir compte non seulement de la majorité, et ceux de l'opposition aussi. Merci voilà, beaucoup. Pour que Kimia et Anamboka. Voilà. Merci beaucoup mon amboka totonze botonze donc demain quoi on a mis tout dans la biso. Merci. Merci. Merci beaucoup. Danzel, merci à Binonyo Sotokutani. Merci beaucoup à monsieur Trésor Kalala qui nous a aidé à coordonner cette émission. Merci donc à vous qui nous avez suivi. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Côté bon est comme facile. Et ça le soutient au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tout la bande de Kombongo. Dans ce cas, il y a application Sandweb au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, il y a continué la bande de au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a un PSA, l'orange, manina, bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, miami, balay, zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandweb, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit 10 dollars, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, mokona lelo, marambaro, télémanager, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, tindam, bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandweb, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.